Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signé Daphné pour le bilan de mes lectures du mois d'octobre, le deuxième mois du Pumpkin Autumn Challenge. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver avec mes cheveux frisés pour ce bilan d'octobre 2021 niveau lecture. C'est octobre, le deuxième mois du Pumpkin Autumn Challenge. Alors, je vais faire un petit bilan de ce que j'ai lu. Puis en même temps, vu que je participe à ce défi-là, ben ça va rentrer là-dedans. Si vous ne savez pas encore ce que c'est que ce défi livresque qui revient chaque année, je vous invite à aller voir la vidéo explicative de Guy Mose. Je vous mets le lien dans la barre d'infos juste en bas. Dans la barre d'infos, vous allez aussi retrouver toutes les informations sur les livres dont je vais parler, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'ai publié sur Instagram la semaine dernière pour la première fois depuis, my God, mais des mois et des mois et des mois. Alors peut-être, qui sait, qu'il y aura d'autres publications qui viendront. Je sais vraiment pas, mais je l'espère. Et puis aussi, si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Alors, en octobre, j'ai lu 3 livres physiques et j'ai écouté 4 livres audio. Là, je sais comme pas trop comment compiler tout ça. On dirait que je suis pas habituée. Les livres audio, j'y compte-tu pareil ou pas? Je ne sais pas. En tout, ça ferait 7, mettons. Ce qui m'amènerait à 57 livres lus cette année, mais si je rajoute les 4, 61. Qu'en pensez-vous? Venez me dire dans les commentaires si je devrais compter les livres audio ou pas dans mon total de l'année. Surtout un coup que vous allez savoir c'est lesquels. La première lecture que j'ai faite, c'était une BD, Élie et Gaston, le tome 1, L'esprit de l'automne. L'auteur est Ludovic Villain et l'illustratrice est Céline de Regnaucourt. Ça a été publié en 2019 chez Ankama. Évidemment, je l'avais mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge, dans le menu automne, douceur de vivre, la catégorie is just a bunch of hocus pocus, où un des mots-clés était automne, et comme il y a automne dans le titre, je me suis dit que ça faisait tout à fait l'affaire. Dans cette bande dessinée-là, on suit une petite fille qui s'appelle Élie, qui doit avoir, bon, pas plus que 10 ans peut-être, et son fidèle chat, son ami Gaston. Et Élie et Gaston doivent aller passer les vacances d'été chez la grand-maman d'Élie à la campagne, près d'une forêt. Mais Élie, elle a pas tellement envie d'y aller parce qu'elle a vraiment, vraiment peur de s'emmerder parce qu'il y a pas de jeux vidéo, il y a pas de télé et tout. Donc elle se demandait comment elle va faire pour passer le temps. Elle est pas très heureuse de tout ça, alors peu de temps après son arrivée, elle va tenter de s'enfuir. Elle s'en va chercher des œufs chez un voisin, puis après ça, elle décide qu'elle prend le large pour essayer de retourner à la maison. Mais là, oups, elle aboutit dans une forêt très mystérieuse où une créature bizarre, automnale, semble faire peur à tous les animaux et nuire à la forêt en général. Est-ce que les Gaston vont réussir à retrouver leur chemin? Comment vont-ils réussir à se sauver de la créature? C'est un peu ça l'histoire de cette petite BD-là. C'est tout à fait mignon. Franchement, c'est une BD qui est clairement pour les plus jeunes. Je pense pas que je suis le public cible, mais j'ai quand même beaucoup aimé ça. C'est tout à fait charmant. Ça se lit super bien, vraiment agréable comme moment. L'histoire est super bien ficelée, c'est simple, il n'y a rien d'extraordinaire, on n'est pas dans le complexe, mais je pense que pour un public jeune, c'est vraiment, vraiment parfait. L'histoire se tient en elle-même, mais on sent que l'auteur a semé des petites graines là, pour éventuellement faire une suite, parce qu'il y a des trucs qui sont explorés qui sont très intéressants. Les couleurs et les dessins sont doux, doux, doux. Les couleurs sont attrayantes. C'est très, très automnal, très, très cosy. J'ai passé un très bon moment. Je lui ai donné 4 étoiles. Je le recommande vraiment si vous avez des enfants. Ensuite, j'ai lu Zut, j'ai raté mon gâteau d'Annie l'Italien. Ça a été publié aux éditions Druide en 2016 et je l'avais mis encore une fois dans le menu Automne douceur de vivre pour la catégorie AGG que je ne prononcerai pas parce que c'est une catastrophe chaque fois que j'essaie. Parce qu'un des mots-clés, c'était nourriture. Et là-dedans, bon, zut, j'ai arrêté mon gâteau. On parle évidemment de nourriture, de cuisine. Donc, voilà pourquoi j'avais mis là-dedans. Alors, dans ce roman-là, on va suivre 3 histoires en parallèle qui se déroulent toutes dans le quartier Saint-Henri à Montréal à 3 époques différentes.
On a d'abord Marie-Juliette, qui est une jeune femme, là, elle n'a même pas encore 20 ans, je pense, qui vit dans les années 30. Et elle rêve de devenir chef cuisinier, alors qu'à cette époque, c'est vraiment un métier qui est une chasse gardée masculine. Donc, est-ce que son rêve va pouvoir se réaliser ou pas? Elle vise haut, disons-le. On suit aussi Hélène, une femme, je vous dirais, fin trentaine, début quarantaine, il me semble. En 1967, Hélène est une récente divorcée, alors qu'en 1967, on sait que c'était pas du tout fréquent. Elle aime cuisiner et elle doit trouver un moyen pour faire vivre sa famille, ses deux enfants dont elle a la charge. Et enfin, on a Émilie qui est de nos jours, qui est une jeune femme, je vous dirais peut-être une trentaine d'années, qui décide d'ouvrir un restaurant. Alors, c'est son rêve, elle ouvre un restaurant. Et on va donc suivre l'histoire de ces trois femmes-là. Leur lien avec la nourriture, avec le fait de cuisiner et leurs rêves. On parle de leurs inquiétudes, de leurs insécurités, de leurs défis, mais aussi de leur réussite à travers ce petit roman-là. Ce que j'ai préféré dans Zut, j'ai raté mon gâteau, c'est le côté féministe. J'ai vraiment aimé qu'on ait trois personnages de femmes qui décident de prendre leur destin en main et de foncer et de ne pas se laisser dire par la société ce qu'elle devait faire, ce qu'elle devait être. Alors ça, j'ai vraiment aimé ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un beau message. Par contre, je me rends compte que personnellement, ce qui me parle le plus dans les romans, c'est quand on creuse beaucoup les personnages. J'aime les histoires qui sont menées par les personnages plus que par les événements. Puis j'aime ça quand on m'en donne beaucoup, là. J'aime avoir l'impression de connaître tous les côtés d'un personnage, puis de les connaître vraiment intimement, autant dans leurs défauts que dans leurs qualités, dans ce qui se passe dans leur tête. Je veux tout savoir. Puis, j'ai trouvé que dans ce roman-là, ça restait un petit peu en surface. J'en aurais pris plus sur ces femmes-là. Les chapitres étaient super courts, ça se lisait vraiment vite, là, ça allait flou. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais moi, personnellement, je sais que j'aime ça quand on prend plus le temps pour installer ce qui se passe. Ça m'a un petit peu manqué dans ce roman-là. Des fois, j'avais l'impression que j'avais sauté des bouts parce qu'on sautait d'une affaire à l'autre. Puis je me disais, mais comment ça s'est arrivé? C'est quoi le cheminement qui s'est passé dans la tête du personnage ou qu'est-ce qu'elle a vécu? Comme je vous dis, pour moi, personnellement, je manquais de détails, mais je sais que ça, c'est mon style de lectrice que je suis, que... En fait, j'ai dû toujours être comme ça ou depuis longtemps, sauf que en parlant avec vous, en faisant mes bilans chaque mois, puis en comparant ce que j'aime dans les romans avec d'autres personnes qui lisent les mêmes romans que moi, je me rends compte de ce que j'aime, puis ça, c'est un aspect, là, dans le fond, là, de ma vie de lectrice. On va le dire comme ça. Quand même, j'ai bien apprécié cette petite lecture très légère, très facile, très agréable. Je lui ai donné 3 étoiles. Et le troisième livre physique que j'ai lu, c'est Ship of Magic de Robin Hobb. L'édition que j'ai date de 2014 chez Delray et je l'avais mis dans le menu Automne des mystères, la catégorie En avant Yvette Tempête parce que ça parlait d'aventure, voyage, on est sur des bateaux. Et c'est aussi une lecture commune que je faisais avec Chantal de la Bibliothèque Jaune pour notre vidéo live du 14 novembre sur ma chaîne. Donc, c'est ça. C'est une relecture pour moi. Je ne vais pas vous en parler en long et en large parce que je l'ai déjà fait puis je vais le faire le 14 novembre avec Chantal. Mais, en bref, très rapidement, on est à Terrilleville, une ville où l'économie est basée sur la navigation. Donc, on a des familles et des personnages qui vivent de ça. On a des navigateurs marchands. On a aussi des navigateurs esclavagistes, on a aussi des pirates et leur famille, leur entourage. C'est de la fantasy, il y a des bateaux qui parlent, il y a des personnages mystérieux, il y a des prophéties, il y a des objets magiques, il y a des pactes ancestraux entre diverses familles. Je ne veux pas trop en dire comme je l'ai dit tantôt. Revenez le 14 novembre à 13h sur ma chaîne pour en entendre parler plus. Et c'est là que je vous parle des livres audio que j'ai écoutés ce mois-ci. En fait, c'est que je voyais passer plein de piles à lire sur le groupe Facebook du Pumpkin Autumn Challenge et aussi sur Instagram. Je voyais des photos de Anne, la maison au pignon vert, Anne of Green Gables,
Puis, moi, c'est une de mes séries préférées. Là. Je l'ai lu et relu et relu et relu les 8 plus qu'une fois. Mon préféré, c'est le 3e puis le 8e. Mais là, je voyais tout le monde les lire. Puis là, il y avait Chantal qui relisait aussi le 1er puis le 2e. Par ça, j'ai vu que Maps avait prévu de lire Anne à la Maison Pignon Vert aussi en novembre. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui fait plus automne qu'Anne à la Maison Pignon Vert? Rien pantoute. Alors, je vais l'écouter en anglais, parce que j'avais jamais lu Anne à la Maison Pignon Vert en anglais, donc je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Anne, c'est mon héroïne préférée de tous les romans de la Terre, je l'adore. Je peux pas dire que c'est mon roman préféré, mais c'est mon héroïne préférée, absolument. Je veux dire, je sais pas si vous les voyez là, mais ce sont mes chouchous, mes chéris, il est hors de question que je me défasse de ces livres-là, jamais. En fait, ça me prendrait sûrement une version intégrale, là, vraiment, pour bien faire la vie. Anne, c'est une valeur sûre pour moi. Puis c'est ça, je me suis dit, je vais le découvrir en anglais, en format audio, parce qu'en même temps, j'avais pas tant de temps pour m'asseoir pour lire. Alors, en l'écoutant, je pouvais faire autre chose en même temps. Je pouvais conduire, je pouvais faire la vaisselle, je pouvais... Peu importe, là, c'est très agréable. J'ai beaucoup aimé ça. C'est pour ça que je me demande si c'est pas de la triche. Vu que je fais d'autres choses en même temps, est-ce que je peux considérer que je lis quand même? Venez me dire vos commentaires, vos opinions sur les livres audio, s'il vous plaît, en bas, pour que j'arrive à me faire une idée de tout ça. Là. Tout ça pour dire que j'ai lu les 4 premiers de la série. J'ai lu Anne of Green Gables, Anne à la Maison Pignon Vert, Anne of Avonlea, Anne d'Avonlea, Anne of the Island, qui est traduit, je pense qu'il y a plusieurs traductions, là, mais j'ai vu passer Anne de Redmond, mais moi j'ai toujours lu Anne quitte son île, et Anne's House of Dreams, Anne, la maison de rêve. Anne et sa maison de rêve, c'est quoi le titre? Anne dans sa maison de rêve. Si vous connaissez pas l'histoire, c'est que, bon, dans le premier livre, Anne est une orpheline de 11 ans qui se fait adopter par Matthew et Marilla Cuthbert, qui sont frères et sœurs et qui habitent à Avonlea, sur l'île du Prince-Édouard. Au départ, c'est une erreur, ils voulaient un garçon, mais finalement, c'est Anne qui arrive, puis elle finit par rester avec eux. Et Anne, c'est une enfant ô combien expressive et rêveuse, avec une imagination débordante. Elle est hyper attachante, elle fait plein de gaffes, elle est mourante. Moi, je l'adore et elle a volé mon cœur. Ensuite, dans Anne d'Avonlea, on la suit alors qu'elle est un petit peu plus vieille, vers 16 ans. Elle prend la charge d'enseignante de l'école du village d'Avonlea. Et puis, bon, éveillée un peu, hein, donc il y a des sujets un petit peu plus... adolescents, adultes qui arrivent, dont des histoires un petit peu plus romantiques. Il y a aussi des jumeaux qui viennent mettre un petit peu de vie à la maison au Pignon Vert. Puis il y a les élèves d'Anne qui nous font vraiment, vraiment beaucoup rire avec toutes leurs aventures. Après ça, dans le 3e tome, Anne a entre 18 et 22 ans. Elle étudie à l'université. Et puis là, c'est vraiment le côté le romance qui prend un petit peu plus de place, mais aussi ses amitiés avec les copines. Et dans le 4e tome, Anne est nouvellement mariée. Elle est installée dans une nouvelle maison, dans un nouveau village, une maison en pierre qu'elle appelle sa maison de rêve. Elle apprend à connaître de nouvelles personnes, ses nouveaux voisins, qui ont tous des histoires vraiment extraordinaires. Il y a le capitaine Jim, il y a la belle Leslie, c'est romantique à souhait. C'est vraiment un univers que j'adore. Il n'y a rien d'extraordinaire là, dans les histoires d'Anne. On est loin de la fantasy que j'aime lire autant, mais on est comme vraiment à l'opposé. C'est la vie, mais je sais pas, avec un petit plus. Je les ai déjà lus plusieurs fois. Je vais continuer de les lire et de les relire toute ma vie, je crois bien. Là, je me suis arrêtée au 4e, mais c'est certain que je vais continuer là, parce que ben, je veux arriver au 8e, qui est mon préf de toute la gang. Alors voilà, j'ai écouté les 4 premiers Anne. Et ça fait le tour de ce que j'ai lu en octobre. Alors, j'espère que ce petit bilan vous a plu. Si vous avez lu certains livres dont j'ai parlé ou que vous voulez me parler de ce que vous avez lu au mois d'octobre, venez me dire ça dans les commentaires juste en bas. N'oubliez pas que toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnés se retrouvent dans la barre d'infos, encore une fois, juste en bas, ainsi que les liens pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été là et je vous souhaite bonne chance pour le dernier mois du Pumpkin Autumn Challenge. Pour ma part, il me reste encore 9 livres que j'ai pas lus. Il faudrait que je les lise. Vais-je réussir? Ça risque d'être dur!
Mais en même temps, la catégorie doudou, là, je sais plus c'était quoi, là, dans laquelle j'avais mis Still Me, ben je pense que c'était Anne, je pourrais les mettre là-dedans. T'sais, j'ai lu d'autres choses, j'ai pas vraiment lu ce que j'avais prévu, mais bon, je pense que ça peut compter quand même. Je vous souhaite vraiment bonne chance, je vous remercie d'avoir été là, et je vous dis à bientôt. Bye!